Comment protéger son entreprise en cas d'absence d'une personne clé? On n'est jamais trop prudent, surtout lorsqu'il s'agit de son activité professionnelle. Pourtant, seul un patron sur trois sait qu'il peut couvrir son entreprise en cas d'absence d'une personne clé suite à une maladie ou un accident. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau 5 des experts. Je suis Alexandra, experte en assurance chez Société Générale. Aujourd'hui, nous allons prendre quelques minutes pour répondre aux questions que vous vous posez sur l'assurance homme-clé. Qu'est-ce qu'un homme-clé ? Le terme homme-clé désigne une personne dont l'absence temporaire ou définitive risque de provoquer une baisse d'activité ou des problèmes de trésorerie. Cela peut également avoir un impact sur la crédibilité de votre entreprise auprès de vos partenaires, vos clients ou encore vos fournisseurs. La personne clé peut être un directeur général, mais également un collaborateur indispensable, par exemple un chef cuisinier, un ouvrier spécialisé ou encore une excellente commerciale. Pour vous protéger contre ce risque, votre entreprise peut souscrire une assurance homme-clé. Qui peut souscrire une assurance homme-clé? Ce contrat est réservé aux entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés et également aux personnes morales dont les résultats relèvent des bénéfices industriels et commerciaux. Quelles garanties propose une assurance homme-clé? Ce contrat vous garantit les ressources financières dont votre entreprise pourra avoir besoin pour protéger votre activité en cas de défaillance de l'homme-clé. En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie de la personne clé, Société Générale vous propose la solution Généclé. Elle assure le versement d'un capital à l'entreprise pour faire face à vos difficultés financières. Le montant du capital garanti peut aller jusqu'à 914 600 euros. Vous pouvez renforcer votre protection en rajoutant l'option arrêt de travail de l'homme clé. Elle prévoit le versement d'une indemnité mensuelle à l'entreprise pouvant aller jusqu'à 12 700 euros. Cette indemnité est versée pendant une durée maximale d'un an, après un délai de franchise de 3 mois. Quelles sont les formalités à remplir lors de l'adhésion? Au moment de la souscription du contrat d'assurance, l'assuré, donc la personne clé, doit remplir certaines formalités médicales. Elles varient d'un assureur à un autre. Elles sont protégées par le secret médical. Elles comprennent généralement une déclaration d'état de santé ou un questionnaire de santé. Pour la solution Généclé de Société Générale, une simple déclaration d'état de santé suffit dans la majorité des cas. Il faut également savoir que des limites d'âge existent au moment de l'adhésion. Par exemple, pour la garantie d'essai, l'assuré doit être âgé au moment de l'adhésion de plus de 18 ans et de moins de 69 ans. Comment fixer le montant des garanties? C'est à l'entreprise d'évaluer la valeur d'une personne clé pour pouvoir fixer un montant de garantie. Plusieurs éléments peuvent vous aider à l'évaluer. Par exemple, sa contribution au chiffre d'affaires, mais également les coûts liés à son remplacement, notamment en matière de recrutement ou de formation. Examiner l'ensemble de ces éléments vous permettra d'évaluer un montant de garantie qui répondra à vos besoins. Comment faire s'il y a plusieurs personnes clés dans mon entreprise? C'est très simple, il vous suffit de souscrire autant de contrats assurance homme-clé que de personnes clés. Chacune sera soumise aux formalités médicales. L'entreprise pourra choisir les garanties et les montants associés pour chacun des contrats. Combien coûte une assurance homme-clé? Le tarif dépend de plusieurs facteurs. Les garanties choisies par l'entreprise et les montants associés, l'âge et l'état de santé de l'assuré, et enfin, le type d'activité qu'il exerce. Notez que le coût des garanties sera appelé à évoluer avec l'âge de l'assuré. Existe-t-il un avantage fiscal? Oui, ce type d'assurance bénéficie d'une fiscalité avantageuse. Votre société peut en effet déduire les cotisations des bénéfices imposables, car ils sont considérés comme des charges d'exploitation. En revanche, les prestations versées par l'assureur à l'entreprise en cas de décès, d'invalidité lourde, d'arrêt de travail de la personne clé seront imposables. Peut-on modifier son contrat en cours de vie? Oui, vous pouvez modifier votre contrat assurance homme-clé en fonction de l'évolution de la situation de votre entreprise. Vous pourrez augmenter ou diminuer les montants des garanties. Vous pourrez également renforcer la couverture en souscrivant l'option arrêt de travail. Votre conseiller sera là pour vous accompagner dans vos démarches, n'hésitez pas à le contacter. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que ces quelques minutes vous auront permis d'avoir les idées plus claires sur l'assurance homme-clé. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions.